Est-ce que c'est plus facile pour entrer au Canada ou bien États-Unis? Question ça, c'est l'imbral répondre pour aujourd'hui. Hein? Et m'bral bon pile l'explication qui pral capable de comprendre qui est dans des pays ça pour capable rentrer là-dedans plus facile. Que ce soit de façon légale ou bien illégale. Et avant tout, moi, je voulais saluer nous tout indistinctement et c'est avec un pile plaisir que moi, devant la caméra, ça pour me présenter une nouvelle vidéo. Et j'espère que vous êtes déjà abonné et si toutefois vous n'avez pas fait ça, et profitez de ça parce que je pense que c'est le meilleur moment pour faire. Et partagez-le aussi à autant des amis que vous capables, qu'on soit capable de nous grandir. Et balayons like. Et continuez tant nous pour l'autre vidéo qui vient pour venir joindre. Avant que je perde du temps, m'a tout bah ou toute explication qui est nécessaire pour capable connaître qui est dans des pays ça pour capable rentrer là-dedans plus facile de façon légale ou illégale. Étant donné que vous connaissez États-Unis et Canada, c'est des pays qui partagent frontières ensemble, c'est des pays qui sont capable de dire qu'ils sont riches tout dans l'Amérique là. Ok? Et en plus, ils sont intéressés à venir dans le pays ça. Et plus précisément, dans le moment où ça n'a vu là, en plus, ils ont besoin de connaître qui ça a fait au Canada. Me songe dans quelques années qui passaient, moi j'étais Jamaïque et puis m'ta parlé avec une responsable hôtel côté MTA et puis comme ça nous t'a changé ensemble et puis il t'a dit moi côté MTA l'époque tremblement de terre là. Et puis moi dit bon moi au Canada et puis il a dit moi bon mon cher ou son est qui chanceux parce que ou t'es gain temps retirer corps parce que ou t'es ca victime dans ça. Et puis c'est comme ça nous venons à parler, là dit moi mon cher, c'est tout le monde qui a envie, c'est presque tout le monde qui a envie à vivre au Canada parce que le Canada est vraiment intéressant. Et moi je dis, mais pour qui ça va pas aux États-Unis? Et puis c'est le ça, là dit mon cher, États-Unis c'est ton rêve longtemps, mais de nos jours, ce rêve-là, c'est Canada. Parce que il y a un pile bénéfice qu'on est capable de jouer au Canada, qu'on est capable de jouer de l'autre côté. Et quelques années plus tard, vraiment, nous avons vraiment un pile d'immigrants débarqués au Canada. Et nous arrivons jusqu'à 2017. Là, il y a tellement d'immigrants qui sont entrés au Canada. Pas de côté pour recevoir, ils ont été obligés de recevoir dans le stade olympique de Montréal. Et partout dans la frontière, là, et qui était tout près de New York avec nos zones de la colle au Canada. Eh bien, ils ont été obligés de voir les militaires à l'accueillir une série de monde. Et les gens ont été obligés d'accueillir en battant. Parce qu'ils étaient tellement en pile, pas de côté pour recevoir habituellement. Et comme d'habitude, ils ont été obligés de mettre en battant en attendant qu'ils étaient capables d'évacuer partout dans le pays. Eh bien, ça a été un choc positif pour un pile pays. Et il y a un autre pays tout qui était pris ça très mal. Vous comprenez? Qui était trouvé que c'est ton gaspillage que Canada t'a fait du fait que tu as investi dans le monde. Mais je dis à là, nous sommes capables. Et il y a un pays qui est utile. Il y a un pays qui n'est pas utile, mais on est capable de dire très utile. Il est très utile par rapport avec le travail que vous faites, la collaboration dans l'économie canadienne. Eh bien, comment que ou capable de rentrer dans un des pays? Alors, par contre, qui repart si c'est pour rentrer au Canada ou bien aux États-Unis, même baoul pour les deux. Des pays ça, yo presque capable de dire qu'il y a une pile similarité, il y a une différence surtout. Mais dans le système d'immigration,
gen pile bagay ki presque même. Par exemple, soit mandon visa pour venir Canada, c'est presque même bagay yo que yo mando pour un visa canadien et un visa américain. Généralement, yo mande pour un visa ou doit gagner un passeport qui valide pour plus de 6 mois. Alors 6 mois jusqu'au niveau qu'elle capable vivre, il capable tout neuf, il capable 10 ans, il capable 5 ans. Ça dépend des pays que tu vas vivre là, comment on bail visa, si on bail et si, comment on bail passeport. Je veux dire faut un passeport qui valide, mais minimum non, c'est 6 mois. Minimum validité. Et après qu'on finit mon passeport, faut assurer que ou en bonne santé. Et faut aussi ou pas gagner yon record criminel. Ou pas contre faire moun mal, pas gagner moun ki konn konn faire moun mal, OK? Donc ou pas gon record criminel. Et après ça, ou gen pour remplir formulaire là, ou ka remplir la la main ou bien électronique. Et sou gen chance remplir l'électronique ou ka tout voye la le même côté. Et après ça, ou payez frais visa et puis ou tout mettez yon rendez-vous. Et c'est dans rendez-vous ça et consulat ou bien agence immigration qui pral parler avec vous, qui pral faire interview avec là, ou pral vérifier pour est-ce qu'on qualifié pour joindre visa pour entrer dans une des pays. Alors qu'on y a un pral bon détail qui ka faut comprendre qui ça ou a besoin qui pour faut qualifier. Par exemple, pays qui riche yo, yo favoriser pays qui riche même avec yo bien à peu près pour venir la caillou et sans trop gros problème. Et par exemple, la majorité pays qui riche yo, yo si un programme qui relé visa waiver programme. Visa waiver programme nan c'est pays ça yo yo pas besoin visa pour yo rentrer États-Unis par exemple ou bien au Canada. Mais parmi pays qui gen qui pas besoin visa pour rentrer au Canada ou qui dans programme visa waiver là et yo mando faut gagner yon autorisation électronique pour capable rentrer aux États-Unis de façon légale. Me dit pour yo konnen ap vini ou remplir conditions pour capable venir dans pays. Li pa coûte un pile cob ou pas payer un frais visa pour ça mais ou seulement payer quelques dollars. Et l'offre gain document ça et bien ou capable rentrer aux États-Unis sans visa. Alors me sont dit parmi tout pays ça au Chili là-dedans. Yon moun ki citoyen chilien qui ont passeport chilien capable rentrer aux États-Unis sans visa. Il suffit qu'il y ait un document ça, qui me sort dit là, qui c'est autorisation pour entrer aux États-Unis et une autorisation électronique pour entrer aux États-Unis. Et li gonti sinon que relèl ETA en anglais, qui veut dire Electronic Travel Authorization. OK? Donc là vinn gen un document ça, ou capable traverser aux États-Unis sans visa. Pour Canada, pays qui gen dans tout pays qui dans liste là, Mexique c'est une là-dedans yo. Ou capable rentrer un citoyen mexicain qui gon passeport mexicain capable rentrer au Canada sans visa, il suffit qu'il gagne autorisation électronique ça. Mais si toutefois pas fait partie des pays ça yo, obligatoirement a besoin visa. Li capable yon visa visiteur ou bien touriste, li capable yon visa travail, li capable yon visa étudiant et même yon visa résident. OK? Kounye la pour capable convaincre consulat que l'on a rentré étant que visiteur, étant que touriste ou pas prêté ou bon bagay ko attaché avec nan pays ko to ap sorti a qui capable permettre yo bon visa. Et si toutefois pays ko to ap sorti a pa gon assez pa gon économie qui assez grand qui assez confortable par exemple Haïti,
Et bien plus pays à pauvre, c'est plus li difficile pour joindre une visa. Donc kou nya la, tout pour venir reposer sur. Du fait que pays ou pauvre, kou nya pour reposer sur, kou nya c'est ou même qui pour faire tout travail, c'est pour gagner assez intérêt, assez de biens qui pour faciliter joindre une visa. Qui ça que yo mandé kou nya qui capable convaincre consul là. On travaille. Pour Haïti, ou besoin bon travail pour capable gagner. OK? Famille. Faut capable gon famille qui capable sous bon travail qui ca aide gérer famon bien, donc ou là ou capable ou pas besoin vinn courir vinn rete États-Unis illégal ou bien Canada. Ou bien que ou gain bien ou gain business qui capable fou nous l'argent. Et puis que ou a besoin un prélèvement bancaire qui capable prouver que ou gagne assez cob pour faire voyage ça, pour dépenser tout cob pour dépenser pour faire séjour et puis pour retourner. Là après retourner pour acheter cadeau pour te faire provision pour te. Donc c'est pour une raison que selon quantité jour pour a venir faire, yo mande ou pour un minimum $1,000 dans poche. Donc c'est pour capable voir que là après tout capable dépenser ou capable et faire ça d'où a venir faire et pour a tourner. Et là, fin bay tout document sa yo, kounye la, se lè sa yo pralwe eske ou kalifiye pou jwen visa. Mais fòk nou dou, lò fin jwen visa pou Etats-Unis, depi ou fin jwen visa, ou pa gen problème avec la justice, depi yo ka pran DZ trap ti ko. Mais ou pa bezwen kite ou, y ap kite ou pase depi ko pa gen aucun problème avec gouvernement. Pour qui raison américain tcheko dit comme ça? Première bagaille, il besoin qu'on ait est-ce qu'on pas mêlé dans affaire drogue, criminalité. Est-ce qu'on pas États-Unis déjà et yo te voye retourner et pendant ce temps yo retourner yo bon nombre de temps pour capable piloter encore et pour ou pas attendre l'air et pour ou aller chercher un visa encore tourner. Yo gen droit fond erreur au baoul, faut on prend le reste si yo pas faire erreur. Mais si vous avez tout bagay correct, eh bien, ou entre États-Unis, bienvenue. You are welcome to America. Mais si toutefois, vous avez un bagay qui dérangeant, kounya la, yo ka retourner. Mais li pas trop facile. Pour Canada, nous capable di Canada plus strict dans sens ça. Lors d'un Canada, si par exemple son monde cap vini, c'est car on monde cap vini, eh ben, ou besoin approval monde, qui veut dire monde doit bon référence. Si son monde qui invite au vin la Cali, faut le bon référence, faut avoir une lettre d'invitation pour vous, pour le dire que vous avez la Cali, la presser ou et la bon côté pour dormir, ou pour manger bref, et même si vous êtes malade, d'amener dans l'hôpital. Donc, on y a eu un monde qui veut une lettre pour vous, qui est capable de recevoir la Cali. Mais malgré ça, on a toujours besoin de l'argent poche. Et là, on a rentré tout, assurez que vous avez un numéro de téléphone, une adresse, que vous pouvez descendre la calia. Vous n'êtes pas seulement satisfait, même avec les Américains, pour vous dire bon, depuis que vous avez un numéro, vous avez une adresse côté vous pouvez aller, bon, pas un problème. Vous avez même relé les gens, les Canadiens ont relé les gens. Vous avez demandé une information. Si vous avez répondre correctement, gens qui n'étaient pas là avant là, qui ont venu là, qui etc., etc. Eh bien, bienvenue au Canada. Ou bien, si c'est un parti anglais, on va aller welcome to Canada. Vous comprenez? Mais si toutefois, moun n'a pas répondu, ou bien moun n'a répondu, il dit pas qu'on est là, ou gagne difficulté, ou gagne plus de chance pour retourner. Ou gagne retourner. Parce que au premier bagage, il y a le Dubaï menti. Vous comprenez? Ou bay problème. Ou bien si ou pas gen yon invitation tout, ou ap vini dépendre ou même. Ou très indépendant. Par exemple, premier bagay qui capable faut jwenn visa, eh bien faut que ou ek ou gen assez moyen pour vivre dans pays ou que ou pa vin caché illégal au Canada. Parce que l'or illégal là, son problème n'y est pour yon, faut rechercher contre yon pour yon déporter.
Donc yo pas besoin faire ça. Et si ou t'arrive faire ça tout, y a voyé di ou met tel les pour quitter pays a et laisse ça faut quitter, si ou pas quitter, yo ka bo yo y a bien chercher. OK? Et bien kounye là, ou a besoin pour confirmer que ou pas gen moun au Canada vraiment ka recevoir, mais ou gen un chambre hôtel pour aller. Ou a fait nombre de jours pour faire dans chambre hôtel ça, ou bien on a décidé d'aller dans divers hôtels, dans plusieurs hôtels, ça dépend de combien de zones vous voulez visiter. Dans chaque zone où vous allez, vous êtes capable de faire un chambre hôtel captain nous, pour nombre de jours que vous voulez. Mais faut prouver que vous avez assez de pour faire. Assez de dans la poche pour dépenser. Okay? Donc, on est là, avec réservation pour gagner, ou bien yo, réservation yo, yo pral rele hôtel ça yo pour yo mande yo est-ce que yo gen une réservation pour malgré yo gen copial mais après le yo pour yo mande yo et faut hôtel la répond positif pour li oui et puis le ça yo pral dou ou bienvenue au Canada mais si hôtel la répond li dit pas konnen faut capable bay raison fait hôtel la dit pas konnen pendant ce temps gon on application dans mon ou gen on comment on d'accord de ça yon preuve dans mon ko loué ou gon chambre hôtel captain nous et puis hôtel là dit non le pas konnen kounya faut capable discuter ça avec hôtel là pour nous joindre côté problème nan yé pour capable bagay mais si toutefois tout son moun ki t'ap recevoir moun nan pa recevoir ou gen assez kòb ou ka pran dernière chance. Pendant on rentre dans l'aéroport là ou car aller celui là on font réservation d'hôtel et puis on dit bon OK bon rêve moi changer moi aller dans tel hôtel tel côté là ou car bon chance mais si toutefois qu'on pas ca décoller tête au côté au coléa et bien il pas gain l'autre choix que vous yo aller parce que vous pas accepter que ou vienne dans pays là et puis ou pas préparé pour ça vous comprenez. Et puis, pour m'avoir un petit exemple qui est clair, il y a une dame américaine qui rentrait au Canada. Quelques années passées, mademoiselle rentrait dans la ville qui est de Moncton et dans la province Alberta. Et là, mademoiselle rentrait, elle pensait qu'elle était prête à le faire. Mais là, elle est venue, elle n'a pas répondu. Continuer le monde par répondre, vous avez mangé jusqu'à 24 heures. Parce que vous connaissez, vous avez rêvé, vous rêvez, vous n'avez pas de travail. Vous avez un temps, vous avez pris le monde et vous avez quitté le message. Vous n'avez pas jamais répondu et vous n'avez pas retourné l'appel. Eh bien, les jours ont passé, vous n'avez pas de monde qui pouvait recevoir mademoiselle et mademoiselle n'a pas de moyen pour l'été et dégager pour payer un autre hôtel, pour payer un hôtel. Eh bien, vous êtes obligé de retourner. Donc c'est pour montrer que les Canadiens n'ont pas droit à voir, même si c'est américain, même si c'est qui nous y a. Et pendant ce temps, un Américain n'a pas même besoin de visa pour rentrer au Canada. C'est n'est qu'acheter des corps, plonger. Et puis bon, malheureusement, mademoiselle a voulu le tourner. Donc c'est pour montrer comment que les Canadiens sont stricts. Et même un travail qu'on a cherché au Canada, ou bien on a fait une pièce et qui sortit dans le gouvernement, par exemple un passeport. Yo mando référence. Et si dans référence là, moun ki yo bay ou bay comme référence là, yo bay mauvais parole pour ou pas joindre passeport. Ou bon travail pour ap chercher, yon moun ki ap travaille dans représento, li pi facile pour tout pour joindre travail. Yo préfère payer moun nan ki yo ki moun ki référo là ou li ki yo pon moun sans référence. Ou ap bon kay nan mon moun par exemple au Canada, yo besoin référence. Quand tu es loué caille déjà, est-ce que tu es payé bien? Est-ce que tu pas compte faire des ordres comme si tu as dû battre, on prend conseil des bagages, craser caille monde, etc. Faut compte tout ça. Donc il veut dire c'est un pays qui remet référence. Donc c'est pour une raison qui cause un petit peu difficile pour rentrer au Canada si toutefois pas organisé bien. Mais c'est très facile. Et une dans l'autre bagage tout, c'est une question de distance. Donc pour arriver au Canada, et lui,
li plus loin, un peu plus loin que les États-Unis. Donc, vous avez besoin plus de temps pour payer un billet d'avion. Vous avez besoin plus de temps pour voyager, pour arriver au Canada, selon côté où vous allez. Okay? Donc, pour raison ça, il est un petit peu plus difficile. Mais, en général, c'est presque le même bagage. Ok? Bon, moi, c'est quoi de comprendre l'idée, et en conclusion, où est-ce que ça fait, où est qui côté le plus difficile, qui côté le plus simple. Et pas oublier que si au Chili, vous avez déjà quelques années avec le président, ou vous avez espoir qu'un citoyen chilien, avant que vous risquez de vivre, pour faire, et pour prendre route d'Ariane, vous pouvez réfléchir pour est-ce que vous attendez pour citoyen chilien, parce que vous n'avez pas besoin de visa définitivement pour entrer aux États-Unis. Du fait que les citoyens chiliens ont travaillé pour qu'ils juste une autorisation électronique. Et ou même pour qui au Mexique, pour t'arrêter entrer au Canada, qui vient en résidence au bout de 2 ou 3 ans, vous comprenez, pour qu'ils font tout le temps nous citoyens au Brésil et puis ou capable d'entrer aux États-Unis sans visa, même j'en trouve avec une autorisation électronique. Et ça fait nous lever. Et programme visa reverse. Donc je dis Chili qualifié pour États-Unis, Mexique qualifié pour Canada. Donc je pense que comme on s'est dit, vidéo à vidéo. Et restez branchés pour une autre vidéo. Et puis belle. Ok. À la prochaine.